mal accoutumé, oui, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a un petit visuel avec une petite bande sonore sympa, une information comme quoi on est à l'épisode numéro 12 de la saison 3. Et puis, comme à l'accoutumée aussi, on est en direct sur Facebook. Alors, si vous voulez, profiter de l'expérience de ce live aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre sur une seule adresse qui apparaît actuellement à l'écran pour ceux qui sont déjà sur Periscope. Hein, c'est effectivement la chaîne de Wiscope. Voilà, l'URL est toujours la même, wiscope.com. TV, WESCOPE.TV pour me rejoindre sur eh bien sur un live enrichi, on va dire, puisqu'effectivement il y a pas mal de visuels qui vous seront proposés pour illustrer ce live aujourd'hui. On est effectivement à parler des marques qui utilisent eh bien, le live pour leur communication. Donc ça vaut vraiment la peine pour ceux qui me suivent sur Facebook de me rejoindre. Je réalise en plus que je suis un peu sombre. Voilà, j'ai pas mis d'éclairage. Bon, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Bonjour à tous. Bienvenue à bord de ce nouvel épisode de En Direct de Suisse, EDS. Donc saison 3, épisode 12, puisque... ben voilà, on met des saisons, on met des numéros d'épisodes. Et puis aujourd'hui, eh bien, en direct de Suisse, on va parler du reste du monde, on va parler du reste de la planète Internet. La fois passée, cool, il y a mes amis de Solutions Center. il y a des habitués, ça fait bien plaisir. Alors, aujourd'hui, pour continuer un petit peu cette série d'épisodes pratiques, j'ai eu la chance ce samedi, pas plus tard que ce samedi, eh bien, de mettre le pied à l'étrier à un couple d'amis qui va se lancer, enfin qui a déjà commencé à produire du contenu pour la vidéo en direct sur Internet, ou la vidéo en général sur Internet. Et donc j'ai pu m'apercevoir que... Salut, voilà, je salue mes habitués sur Facebook du coup. J'ai pu voir que les conseils prodigués ici même étaient fort utiles et très souvent en fait attendus. Donc aujourd'hui on va sortir un petit peu du cadre des infos pratiques et utiles, mais ça n'empêche pas qu'on va quand même aborder quelque chose qui permet d'avoir un petit polaroid de la situation. On va parler bien des marques qui sont sur le live, à utiliser le live dans leur communication. Alors, comme vient de me dire dans l'oreillette ma community manager préférée, Maeva, eh bien, vous n'hésitez pas, un, à tapoter sur votre écran si vous êtes sur Periscope, hein, vous savez, vous tapotez, et puis tout d'un coup, moi, je verrai des cœurs d'une couleur bien précise, ou plusieurs couleurs. Actuellement, il y a zéro personne qui tapote sur son écran, ben voilà, ça arrive. Et puis l'autre chose, vous avez tout en bas à droite de votre écran, toujours sur Periscope, toujours sur cette fabuleuse application, eh bien, trois petits points qui vous permettent eh bien, de partager ce live. Ben oui, moi, ça me ferait plaisir que vous puissiez partager ce live. Voilà, ça y est, les cœurs, c'est parti, ça commence, c'est cool, c'est bien sympa. Donc vous partagez ça à vos abonnés Periscope, parce que vous avez peut-être déjà une communauté. Bonjour Bernard, voilà, comme on le disait, hein, tous les lundis, bah, y a même des cœurs sur Facebook, c'est cool, c'est bien sympa. Vous pouvez faire la même chose hein, sur Facebook, vous avez le droit de partager, merci beaucoup. Et puis vous pouvez le faire également sur votre compte Twitter, histoire d'élargir encore plus l'audience, puisqu'aujourd'hui, eh bien, on va un petit peu bosser, hein. J'ai quand même préparé quelques petites fiches pour vous. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie d'avoir votre input sur ce que vous avez vu, parce que j'ai pas la prétention de connaître tout ce qui se passe sur Periscope, tout ce qui se passe sur Facebook Live, puisque, allez, je vous le remets encore une fois, on parle des marques qui utilisent le live dans leur communication. Alors, bah, peut-être justement, avant que moi je sorte mes petites fiches, est-ce que vous avez déjà des noms de marques? Vous avez déjà de beaux exemples de sociétés, de marques, d'enseignes qui utilisent le live dans leur communication. Ça me plairait de voir si on a les mêmes sources. Mais surtout aussi, ça sera l'occasion de voir
Ben les lives, les transmissions que vous avez pu, auxquelles vous avez pu déjà assister en tant que consommateur, en tant qu'internaute, pour voir si, eh bien, d'une part, c'était intéressant, si ça vous a. Oh, ben, il y a même des gens qui viennent pour la première fois sur Periscope, c'est bien cool. Et puis, on a un bonjour de Dunkerque, voilà, en direct de Suisse. Salut, cette région de France. Louis Vuitton, nous dit Bernard Peters. Alors, effectivement, le luxe, ou Dior, alors, on verra si c'est l'un ou l'autre. Et donc, effectivement, le monde du luxe est une des références qu'on peut notifier comme étant un style de produit qui utilise effectivement le live dans sa communication. Alors, on a dit Dior ou j'ai déjà oublié l'autre. Enfin bref, marque de luxe. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Pendant que tout ce petit monde se dit bonjour, c'est sympa, voilà. C'est un petit peu comment dire, les retrouvailles, le lundi matin, voilà, tout le monde se dit bonjour. Alors, je sais que je vous ai parlé de faire une version de En direct de Suisse en fin de journée. J'y pense de plus en plus, puisqu'effectivement, je sais, lundi matin, c'est pas toujours évident. Alors, Bernard, tu soulèves un point important, effectivement. Moi, j'ai pu voir McDonald's, il nous le dit également. J'ai pu voir que pas mal de ces marques utilisent le live, mais voilà, Perry Cook Live me le confirme aussi. C'est un sentiment que j'ai pu constater. Pas mal de marques qui utilisent le live et qui oublient qu'il y a ce côté effectivement interactif qui est assez sympa. Pendant ce temps, sur Facebook, je vous remercie encore une fois de faire des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à aller voir sur wiscope.tv, wescop.tv, pour suivre ce live enrichi. Alors oui, Perry Cook Live nous dit c'est juste pour faire de la promo, c'est juste pour un effet de mode. Alors sachez pour la petite histoire à la sortie de Mercat qui a été complètement supplantée par Periscope, eh bien il y a une artiste qui oui alors ils veulent juste contrôler, ils veulent avoir une communication top-down, hein, une communication traditionnelle, on va dire zéro interaction, zéro risque, voilà donc. Probablement que ceci explique cela. Il y avait Madonna qui avait fait un petit peu de buzz avec la sortie d'un de ses nouveaux titres, qui l'avait balancé sur Mercat, mais qui s'était fait bien allumer. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, elle n'avait pas compris que le live, c'était justement la carte de l'interaction. Elle avait simplement balancé son clip. Donc autant dire que c'était pas du tout un live, puisqu'elle balançait un enregistrement vidéo. Voilà, un des bad buzz qu'on retrouve malheureusement encore très très souvent sur le live par des chaînes qui malheureusement savent pas, des marques qui savent pas l'utiliser. Pour l'ouverture d'une chaîne fast-food, une offre gratuite hamburger et live toute la journée. Voilà, ça c'est l'exemple de McDonald's cité par Bernard. Et donc, il y a malheureusement, comme on vient de le dire, beaucoup de mauvais exemples de gens, de marques, de sociétés qui ne savent pas s'en servir. Mais heureusement, il y a des belles choses. Et on va commencer. Alors, je suis désolé hein, pour ceux qui sont, comment dire, un petit peu réfractaires au marché US. Mais malheureusement, les bons exemples, en tout cas. Pas mal d'entre eux viennent de chez eux. On va commencer avec une marque qui a fait quelque chose. Alors, c'est pas McDonald's, ok. Autant pour moi. Alors, écoute, j'ai pas vu ce live, mais on va dire que c'est une marque de fast-food qui a osé faire ça. Et pendant ce temps, dans l'oreillette et à l'écran, on vous rappelle les trois petits points. Hein, l'usage des trois petits points qui est en bas à droite, c'est pour partager. Alors, les marques ne prennent pas de risques sur Periscope car la plateforme a très mauvaise réputation, nous dit Perico. Live. Alors, je sais pas si elle a mauvaise réputation, mais je pense que ça a été dit dans la chatroom. Elles ont peur du lâcher prise, elles ont peur de la confrontation, elles ont peur effectivement du dialogue qui pourrait se créer. Bien évidemment, quand on s'expose sur le social media, que ce soit une page Facebook, que ce soit un live ou que ce soit une communication sur quel que soit le support, on doit accepter le fait que l'information puisse remonter des consommateurs et donc de ce fait, très souvent, on voit que par exemple, ils craignent le bad buzz et les trolls. Oui, mais je pense que c'est plutôt, tiens, on a crainte, on a peur d'avoir l'avis, même négatif, de nos clients et que ça soit visible. Donc voilà, il n'y a pas toutes les marques qui sont prêtes à oser ce pli, effectivement.
Confirme, mauvaise réputation et pas assez populaire, je le vois avec les agences de presse. Alors Pericook Live, probablement tu as une bonne expérience là-dessus. Ça veut dire que, alors je sais pas dans quel pays tu es, on va dire que tu es en France. Merci pour les partages, merci pour les deux personnes qui tapotent leur écran, voilà. Mais j'ai envie de dire effectivement que les choses bougent quand même, et puis je vous ai sorti quand même quelques exemples européens, en plus des Américains. On commence ici avec journaliste en France. Ben écoute, c'est bien sympa d'avoir ton avis, puisque effectivement là tu es du côté du journalisme. J'ai envie de dire que c'est pareil partout ici en Suisse. On va voir que le constat est un peu plus triste, mais il y a quelque chose qui sauve quand même, eh bien, les autres pays européens, en l'occurrence la France, avec les exemples que je vous ai sortis. Alors, on commence avec un exemple américain. Je vous l'ai sorti, ben voilà, ça va faire plaisir à notre ami journaliste. Là, on est sur un contenu rédactionnel journalistico news, dans le sens où, effectivement, j'ai pas trouvé le live en question, mais je vous ai quand même trouvé une vidéo qui en parle. Oui, encore pire, effectivement, je confirme. On a l'exemple ici de Caterpillar, et ils se sont fendus d'une vidéo YouTube. Alors, je sais pas si c'est le reflet complet de leur live, mais c'est une expérience assez sympa. Allez, on va jouer la vidéo. Non, c'est une petite vidéo, c'est très très court. Je vais couper le son, voilà, ça sera mieux. Est-ce que vous voyez là, c'est en fait un petit bout de ce qui a été fait. Ouais, alors c'est des machines qui ont un certain prix, mais je trouve l'expérience assez sympa. Alors, ce que vous voyez, ce sont des images filmées par drone, et ils ont fait ça pendant 10 heures de temps. 10 heures de temps durant lesquelles ils sont en fait fait plaisir. Vous voyez, le terrain, il est juste énorme, donc ça permet d'utiliser une multitude de leur véhicule, et ils ont fait une démo produit pendant 10 heures de temps en live. C'est-à-dire que c'était filmé effectivement avec des drones. Alors ça, c'est assez sympa parce que ça permet de vraiment se faire une idée. Là, je pense pour des directeurs d'achat, des personnes sensibles à la qualité des produits, aux fonctionnalités, ils ont pu se faire plaisir. Alors, est-ce qu'il y a tout le monde qui a regardé l'entier du live pendant 10 heures? Ouais, merci pour les cœurs, merci pour les deux personnes qui tapotent leur écran, et puis merci pour les partages que j'ai déjà vu passer, c'est bien cool. Donc, 10 heures de temps durant lesquelles on pouvait voir avec des images de drone et une belle réalisation les produits Caterpillar mis en œuvre sur un terrain effectivement réel, puisque là dans le cas précis c'était une immense carrière, on va dire, sur laquelle tout le monde s'est amusé. En fait, c'est proche des bâtiments effectivement de Caterpillar, et ils ont osé et ils ont joué. Merci Social Vincent pour le partage, c'est bien cool, ça fait plaisir de te voir, c'est cool. Et puis ils ont osé le partage, non le partage, ils ont osé l'interaction, puisqu'effectivement, ah Cynthia, bah t'arrives seulement maintenant, c'est quoi ce bordel? Mais j'ai même mes habitués qui sont pile à l'heure avant 11 h, et toi t'arrives là tranquille comme une fleur, il est 11 h 13. Ça s'appelle en direct de Suisse, hein. S'il y a bien, bah tiens, j'ai pas de montre aujourd'hui. S'il y a bien un truc important, c'est la ponctualité. Allez, je plaisante. Bienvenue à bord, bienvenue la room. Voilà, 10 heures, il faut tenir effectivement, mais je pense que la carte de l'interactivité a réellement joué. Alors, encore une fois, je suis désolé, hein, je suis un peu frustré parce que j'ai juste pu vous montrer une vidéo YouTube. Je suis pas arrivé à retrouver leur live parce qu'effectivement, peut-être qu'il n'était pas, il était pas sauvegardé, ils l'ont peut-être pas conservé. Je fais Ah bah ça alors, Cynthia, je vais te tirer les oreilles. Si tu arrives à regarder un live pendant que tu es en train de faire des cours, chapeau. Bonjour l'interaction. Mais merci, ça me touche de savoir que voilà, il y a quelques-uns d'entre vous qui, un lundi matin, font l'impasse sur leur programme habituel pour suivre en direct de Suisse. On continue avec une autre marque. Alors, on l'a. Oui, la ponctualité suisse-française. Bon, il y a de très très bons horlogers français, hein, je vous rassure. Voilà, on est en direct de Suisse pour découvrir la seconde marque qui donne dans le live. Voilà, je suis un peu perturbé parce qu'effectivement, la salle de classe est en train de se remplir.
Et Cynthia vient de finir ses cours. Voilà, merci beaucoup. On va pouvoir partager, on va pouvoir interagir. Merci, merci pour les partages. Et bonjour Mamounette. Voilà, ben du coup de nouveau, hein, il y a les habitués, ça fait bien plaisir. Et vous êtes trois à tapoter sur votre écran pour balancer des cœurs sur la chaîne Wiscop.tv. Alors on continue avec Versace. Versace, vous avez cité dans la chatroom Dior. Il y avait peut-être Chanel aussi. Et c'est vrai que ben, malheureusement, les marques qui donnent dans le live, c'est pas encore ça. Preuve en est, c'est tout ce que je vais vous montrer de Versace, puisqu'effectivement, si vous cliquez sur ce lien, hein, le lien Periscope, alors ça date de 2015, ils ont peut-être l'excuse, effectivement, qu'à l'époque, comme vous le savez peut-être, les lives n'étaient pas sauvegardés sur Periscope, il fallait utiliser d'autres techniques pour pouvoir le faire, mais il est vrai que malheureusement, très souvent, marque de luxe. Plus live streaming, ben c'est pas ça. Il y a très peu d'interactions. On est presque en train de regarder Fashion TV pour, par exemple, se retrouver à simplement regarder des défilés. C'est un peu triste. Oui, Christophe qui doit aller manger car il prend le boulot. Eh bien, écoute, merci Christophe. N'hésite pas après coup à regarder tout ça en replay et à partager ça avec tes amis. Ta communauté m'intéresse. Voilà, ben, je le dis à tout le monde, hein, c'est vrai, puisque on a besoin de vous pour faire que eh bien, les contenus Wiscope puissent être partagés à un maximum de personnes. On va partir en France et cette fois-ci je vais faire plaisir à mes collègues de Wiscope France puisqu'effectivement dans les exemples français je vous ai trouvé celui-là, les Electric Days, les journées. Alors c'était il y a 10 mois de cela, mais c'était pas mal du tout. On va voir si on peut zoomer un petit peu plus loin dans le live. Voilà, j'essaye de vous balancer. C'est ça. Voilà, alors ça c'est une initiative. Tiens, je vais quand même le mettre à l'écran, ça sera plus parlant. C'est une initiative assez intéressante de la maison ODF qui a décidé d'oser jouer la carte de l'interactivité. Un nouveau produit, effectivement. Ah non, 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 je lis des trucs. Pour le lancement d'un nouveau produit, un nouveau modèle auto vu du live du CEO de Ford. Oui, alors Bernard, j'ai oublié de dire, effectivement. Oui, Social Vincent, ça te dit quelque chose ce live. On va y revenir. Mais pour ce que vient de dire Bernard. C'est vrai qu'une des industries qui s'est lancée à fond dans le live stream, c'est l'automobile. On a eu pas mal de marques qui, aux États-Unis en tout cas, encore une fois, se sont données à fond dans le live stream pour simplement, j'ai eu la chance moi de travailler pour une grande enseigne américaine, ben, effectivement, les vidéos en primeur, le live, toute cette, comment dire, ce stress pour pouvoir sortir quelque chose en temps et en heure était très prisé et toujours très prisé par les marques automobiles. Et donc, il y a ici, en tout cas pour cette industrie, de beaux exemples. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'interactivité? C'est une bonne question. On voit ici, alors l'exemple des Electric Days à EDF, c'est une réalisation live qui était multiple au niveau des contenus. Il y a des interviews, il y a des reflets filmés. Vous voyez, il y a un habillage graphique quand même assez échadé. Et puis on voit quand même pas mal d'interactions. Puis là, je vais monter un peu l'écran. Je sais pas si je peux. Ah ben mince, dommage. Il y a plus de 92 000 viewers sur un live comme celui-ci. Et puis je suis pas peu fier de vous montrer cet exemple. Bonjour Myriam, merci, merci pour ton passage sur Facebook. N'hésite pas à partager. Voilà, il y a du monde, hein, que ce soit sur Facebook ou sur Periscope. Et donc, ce que je voulais vous dire ici, pour l'exemple français, eh bien, je suis pas peu fier de vous dire que c'est mes collègues de Wiscope France, Wiscope Production, qui sont à l'origine de ces réalisations. Alors là, par exemple, on a EDF, mais on avait ici quelque chose d'assez sympa quand même. C'est pendant Vivatech, ce rendez-vous assez grand, assez important en France, qui réunit pas mal d'acteurs de la tech en France. Vous voyez, je peux carrément me balader dans ce live, puisqu'il était filmé en 360. Et là, on reconnaît notre ami Damien, qui était effectivement impliqué aussi dans ce live. Alors, je ne fais pas de l'auto-promo, hein, je vous parle d'exemples que j'ai pu trouver facilement, puis qui ont bien bien marché, puisque là, vous ne le voyez pas en bas de l'écran, mais on est à hauteur de 415
80 000 viewers pour cette transmission. Là aussi, ça te dit quelque chose, Social Vincent. Un live en 360, un live qui avait bien fait parler de lui en dehors de nos frontières. Là, je parle bien au-delà de l'Europe, puisqu'effectivement, là, on était au cœur de l'innovation française, on était en live, on était avec nos amis de la Poste et on était en 360. Donc, belle réalisation, un bel exemple. Puis là aussi, de l'interactivité, puisque on est quand même dans des domaines qui touchent les gens et qui amènent effectivement les internautes à oser poser des questions. Voilà. Vous les voyez pas parce qu'il y a ma petite tête en bas à droite à la place des commentaires, mais effectivement, il y a eu de l'interaction. On continue avec des exemples européens et français. Pour la petite histoire ici, on est eh bien à la SNCF, où là aussi, ben de nouveau, hein, ils vont être contents, mes amis Damien et Vincent, puisqu'effectivement, la SNCF s'est lancée ni plus ni moins dans un multiplex en Périscope. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a joué. Alors là, j'ai que des photos à vous montrer, hein, je vous laisserai trouver les images qui vont avec. Mais ce live, en fait, était agrémenté, alors on le voit ici peut-être avec cette image, était agrémenté de plusieurs périscopeurs, de plusieurs lieux où on pouvait comme ça, effectivement, balancer de l'information, la partager et interagir. Et puis là, le truc assez sympa dans ce qui a été fait, c'est que eh ben, la SNCF a osé faire appel à des professionnels. Vous voyez peut-être sur votre droite la célèbre journaliste dont j'ai totalement oublié le nom. C'est Madame Masseret, mais je ne sais plus son prénom, qui était une animatrice. On va me dire dans la chatroom, hein, on va me corriger, qui était une animatrice qui était passée aussi sur Canal à nulle part ailleurs. Donc une belle réalisation, puisqu'effectivement, une belle présentation, des interactions, des correspondants un peu à gauche, à droite. Et puis de nouveau, là aussi, Ariane Masseret. Merci beaucoup, Mamounette. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ariane qui a Massenet, pas Masseret, voilà, qui a effectivement assuré, on va dire, le fil conducteur de cette journée, puisque de cette transmission, puisque effectivement là c'était pour le lancement d'une nouvelle ligne, la ligne et le TGV Océane. On continue en Europe, mais cette fois-ci, ah oui, puis un live en multiplex depuis le TGV. Social Vincent nous dit que c'était du sport, il y était. Voilà, je suis très content de l'avoir en ligne. Et puis ben, c'est presque un peu triste quand même que je vienne ici vous parler de ces exemples et qui sont un petit peu pas assez nombreux, puisque ben là, la force de mes collègues de Wiscope, et Dieu sait que je leur fais pas de la pub gratuitement, hein, vraiment, c'est là en tant que patron d'agence que je vous parle, c'est que ils ont réussi avec SNCF, avec EDF, avec La Poste à convaincre des marques à oser aller sur ces plateformes, à oser le live. Pour la petite histoire, EDF continue à régulièrement, effectivement, des retransmissions. Il y a une volonté de continuer à utiliser ce médium parce qu'effectivement, il est utile, il permet, comme je vous le disais, ben, l'interaction et puis d'avoir aussi comment dire, un lien direct avec sa communauté. C'est dommage. Alors, peut-être plus de lumière, je sais que tu peux le faire. Ah oui, désolé pour mes amis qui me suivent sur Facebook, je ne sais pas pourquoi je suis dans le noir. Voilà, ça marche très bien côté Periscope. Vous êtes obligé de venir sur Periscope, hein, wiscope.tv, pour pouvoir suivre ça dans des meilleures conditions. Orange aussi, me dit Social Vincent, mais merci effectivement. Donc on a comme ça Orange, EDF, La Poste, on a des grandes enseignes, en tout cas en France, qui ont osé utiliser ce support, ce live. Et puis c'est des exemples trop peu nombreux, puisqu'effectivement, une banque utilise aussi le live pour sa notoriété en diffusant du foot sur Péri. Étonnant, me dit Bernard. Ben, merci pour les exemples. Encore une fois, en préambule de ce que je vous ai dit pour ce numéro, je n'ai pas la prétention de vous dire
J'ai vu toutes les marques qui travaillaient sur le live et je vous en sers ici des exemples. On va faire, comme je vous l'ai dit, en direct de Suisse pour cet épisode numéro 12, un bref aperçu sur ces exemples. Puis j'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer les exemples français avec mes amis de Wiscope. Wiscope Production, hein, pour la petite histoire, puisque effectivement les services se sont professionnalisés pour les proposer aux marques. Et grâce à mes copains de Wiscope, eh bien, j'ai eu la chance à deux reprises de faire des lives en Suisse pour une marque. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil parce que c'est ta marque. Oui et non, puisque effectivement, je suis le fondateur et le co-organisateur d'un prix qui s'appelle Le meilleur du web. C'est pas par hasard qu'on arrive sur cet exemple, mais rassurez-vous, je vous ai trouvé d'autres exemples suisses. Alors ici, on est sur un tweet qui me touche particulièrement, puisque effectivement, ça a été un des premiers lives. Bien évidemment, après avec EDF, La Poste et tout ça, on a dépassé ces scores, mais on a été eh bien, les premiers à dépasser le cap des 10 000 spectateurs, le meilleur du web sur Periscope. Ça s'était fait il y a une année, en décembre dernier. Et puis Social Vincent qui est dans la chatroom, ben, nous a aidé à faire la même chose pour le meilleur de la pub. Ouais, t'es gentil, c'est parce que c'est ta marque. Oh Mamouna, tu es très drôle. C'est gentil. Alors, c'est pas tout à fait ma marque pour ceux qui me connaissent, mais qui connaissent pas tout à fait le meilleur du web. Ben, sachez que c'est un prix qui récompense les métiers du web et du digital ici en Suisse romande. Donc, c'est plutôt pour aider et puis donner de la visibilité sur cette industrie. Allez, je vous montre un petit extrait. Il vaut ce qu'il vaut du périscope qu'on avait fait pour le meilleur du web. Là, vous voyez un professeur qu'on avait invité à l'EPFL pour introduire cette soirée de remise de prix. Et puis cet event n'est qu'une remise de prix pour féliciter pas moins de 10 catégories dans le monde du numérique et du digital ici en Suisse romande. Donc c'était une suite logique pour nous d'aller sur Periscope pour proposer cette visibilité à tous ces acteurs. Donc ce que vous voyez à l'écran, eh bien c'est justement les visuels de présentation, les travaux, les projets, et puis bien évidemment les gagnants qui montent sur scène et qui viennent chercher comme ça leur prix. On a réédité la même chose avec le meilleur de la pub et j'ai eu la chance d'avoir eh bien deux personnalités de Wiscope. Alors Wiscope m'a donné un coup de main aussi pour eh bien carrément faire l'animation. Là, ce que vous voyez, eh bien c'était juste la retransmission, donc c'était un peu rude au niveau interaction. Mais pour le meilleur de la pub, on a carrément monté un petit plateau télé et puis les internautes pouvaient effectivement poser des questions. C'était bien sympa. Et puis surtout, ben, à l'époque du meilleur du web, ben, on n'était pas peu fiers d'avoir donné dans ce record, puisqu'on avait plus de 11 000 viewers durant la soirée. C'est pas banal, en tout cas, ça a bien bien évolué, puisque ça c'était il y a une année. Alors, on va terminer quand même par une petite note suisse. Je vous ai trouvé, alors dans la chatroom, il y avait un ami journaliste, je crois que c'était notre ami Perry Cook Live. Je t'ai trouvé un petit exemple suisse avec le journal Le Temps. Alors là, pour le coup, on est sur Facebook Live. Le Temps, qui est un journal qui ose la technologie. Là, on va voir un live d'un de nos avec. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Il y a Safari qui me dit qu'il faut que j'installe Flash Player. On va arrêter ces conneries. Voilà. Tout ça pour vous dire que, bah, tant pis hein, pour l'extrait en live. Le temps joue la carte de l'interactivité, du multimédia, du social média. Et là, ils ont eu l'occasion d'interviewer une personnalité forte chez nous, ici en Suisse romande, qui est en fait George Baumgartner, qui est un journaliste qui vit et qui était comment dire, un correspondant spécial de la RTS. Et il nous parle du Japon. Il a une très très grande expérience de ce pays puisqu'il y vit depuis des dizaines d'années. Et là, ben, par exemple, sous la forme d'un live, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer un extrait, mais on a une belle réalisation, multicaméra, habillage graphique.
Et une véritable interaction avec les internautes, puisque effectivement, si vous allez voir ce live, vous verrez qu'il y a tout au long du live des questions qui ont été posées en direct, ça a fonctionné. Et là, si je regarde le compteur, on est autour des 3000 vues, ce qui est pas mal pour un média suisse et pour une marque suisse, on va dire, qui utilise le live. Voilà, c'est un des exemples que je vous ai trouvé. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils sont trop peu nombreux. Ici en Suisse, on est, comme je vous le dis à l'accoutumée, oui, merci pour les cœurs, parce que pour le moment, il n'y a qu'une seule couleur, mais il y a des cœurs, c'est déjà pas mal. Et puis pour le partage, hein, pour n'hésitez pas pour balancer ça plus loin si jamais. Donc je vous le disais, on a cet éternel retard ici en Suisse. Et le phénomène j'ose pas utiliser le social media, encore moins le live, est bien réel. Donc voilà, c'était une sorte de pied de nez que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, mais aussi avec quand même des bons exemples. On est content de voir qu'il y a de très bons exemples, autant en Europe que ici, que vis-à-vis des États-Unis. Encore une fois, je n'avais pas la prétention de vous montrer tout ce qui existe. Je suis content de voir que dans la chatroom, il y a quelques-uns d'entre vous qui sont sortis avec des exemples. N'hésitez pas, si jamais, à les balancer dans les commentaires pour qu'on puisse retrouver tout ça, si jamais, pour ceux et celles qui regarderont le replay. Voilà, c'était en direct de Suisse, c'est de 11h à 11h20, il est 11h31, je vous laisse faire le calcul, voilà. En gros, on est à la bourre. Je vais arrêter de dire que ça dure 20 minutes, hein. On va dire que ça dure d'office une demi-heure. Je vous reviens, promis juré, avec des réponses précises pour ceux et celles qui me demandent, mais quand est-ce que en direct de Suisse sera en fin de journée, c'est-à-dire en début de soirée, puisqu'effectivement, ça permettra pour certains d'entre vous de passer un peu plus de temps. Puis pour moi, par exemple, merci, merci pour les merci. J'entends les merci crépiter dans mon oreille. Merci le community management. Donc on vous revient avec cette info pour savoir quand est-ce qu'on pourra prendre plus de temps sur un live d'1 heure en fin de journée pour pouvoir eh bien faire une variante en direct de Suisse. Et puis j'ai pas eu le temps de vous mettre dans la liste des lives un exemple assez bluffant. Il est français lui aussi. Allez voir sur internet. C'est notre ami de NoTech. Je pense à notre ami Jérôme Kainborg qui fait un live tous les jours. Tous les jours, il passe en revue du matériel tech. Je crois que c'est autour des 8h le matin. Vous le trouvez facilement. Il a une communauté, il a une interaction. Ce monsieur est journaliste à la base. Il fait du très très bon contenu. Et je suis triste de voir qu'il n'y ait pas plus d'exemples comme ceci. Je suis très content, par contre, de pouvoir vous dire, ben voilà, l'équipe Wiscope s'agrandit. Si vous allez sur wiscope.tv, hein, je vous le remets si jamais vous aviez des doutes quant à l'URL sur laquelle vous allez pouvoir trouver tout ça. Wiscope.tv, vous allez voir qu'effectivement, il y a pléthore de sujets, d'animateurs, mais il y a des nouvelles têtes qui sont venues effectivement se greffer à la team et ça fait bien plaisir. Voilà, peut-être que la chatroom et en tout cas le community management va me compléter pour me dire quel est le prochain rendez-vous. Je crois qu'il est aujourd'hui à 15h, sauf erreur, mais on va me corriger si je dis des bêtises. Et puis pour ceux et celles qui, comme à l'accoutumée, à 22h, voilà, pour du sport avec Curtis, ça sera un peu plus tard, donc ça sera ce soir. Et puis, comme à l'accoutumée, pour ceux et celles qui ont besoin de continuer le débat, qui ont envie de me poser des questions en direct, une seule adresse, voilà, thierryweber.com. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour m'écrire, me poser des questions ou me demander comme contact. N'hésitez pas, dans le cas précis, à le faire en mentionnant le fait qu'on s'est parlé durant ce live. Voilà, j'ai terminé de parler pendant plus de 33 minutes. Je vous laisse à une journée, on va dire, tout à fait normale. Normalement, Stéphanie à 20h pour de la musique. Ah, ben, il y a même quelque chose avant le sport, effectivement. Curtis à 22h, mais Stéphanie pour de la musique à 20h ce soir. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les nouveaux programmes que proposent nos amis et collègues de Wiscope, puisqu'effectivement, il y a du jeu, il y a des nouvelles têtes, il y a de quoi faire pour que vous puissiez passer un bon moment sur des lives bien sympa et utile. Voilà, c'était en direct de Suisse, 13e, 12e épisode, saison 3. On parlait des marques qui sont à utiliser le live sur
dans leur communication. Encore une fois, eh bien, je suis sûr que vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête. N'hésitez pas pour cela à partager tout ça et on continuera le débat offline. Voilà, comme à l'accoutumée, je vous dis quoi? Je vous dis quoi? Je vous dis quoi? Allez, je vous dis quoi à la fin du live? Ah, il y en a deux qui suivent? Non? Oui? Allez, on se dépêche? Oui. Personne, personne, personne. Alors, on me dit bye. Bon, d'accord, on me dit au revoir. D'accord. Eh bien, je vous dis comme à l'accoutumée, et surtout aussi à mes amis qui sont venus me dire un petit coucou sur Facebook, à bientôt si c'est pas avant. Voilà, vous aviez presque trouvé la bonne réponse. Allez, je vous laisse. Ciao!